j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto souplesse avant. Donc le défi d'aujourd'hui, c'est d'atteindre les 500 likes. Je compte sur vous et c'est parti. Donc on va commencer par un échauffement rapide des jambes et du dos. C'est très important de bien se chauffer avant de faire des souplesses. Donc on va commencer par faire un poirier, pas en haut, hop, et on rassemble. On va le faire 5 fois. 2, 3, 4, et 5. Maintenant, on va faire le pont de debout. Balancer, deux, et la troisième fois vous poussez dans les mains et on remonte. On se balance, un, deux, et trois. Un, deux, trois. Un, deux. Dernière fois, 1,
Donc si vous n'arrivez pas à remonter du pont, vous pouvez utiliser une hauteur comme une chaise, un lit ou le mousse. Donc je vais vous montrer. Hop, on fait le pont. Hop, et après on pousse. Donc après vous allez diminuer la hauteur jusqu'au temps que vous arrivez à le faire au sol. Donc maintenant on va faire le poirier et tomber en haut. Hop. Poirier. Hop. Et tomber en haut. Vous ne devez pas vous relever. Hop. Poirier. Tomber en haut. Et pour redescendre, vous pouvez faire ça. Hop. Vous remontez. On recommence. Poirier. Et tomber en haut. Une dernière fois. Vous devez savoir qu'il est important d'être quand même un minimum souple du dos et des jambes pour savoir faire une souplesse avant. Donc maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va essayer de remonter. Poirier. On tombe en pont. On se balance. 1, 2, 3. Et on remonte. Poirier. Tombe en pont. 1, 2, 3. On se relève. Poirier, tombe en pont. 1, 2, 3 et on se relève. Une dernière fois. Poirier, tombez. 1, 2, 3 et on se relève. Donc maintenant, on va faire la soupe. On va faire comme avant, sauf qu'on va essayer de plus s'arrêter et de faire tout d'affilée. Poirier, et on se relève directement. Poirier, pont, et on se relève. Poirier, pont, on se relève. Une dernière fois. Poirier, pont, et on se relève. Maintenant, on va faire le poirier, atterrir à une jambe. En poirier, atterrir à une jambe. C'est très important de bien passer en grand écart et d'avoir tout le temps les jambes tendues. Hop, et vous pouvez remettre les deux pieds et redescendre. Hop, et redescendre. Fois. Maintenant, on peut faire la souplesse avant. Hop, et on se relâche directement. Dernière fois. Donc voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc je vous conseille au début, pour commencer, de faire sur un matelas ou sur un tapis si vous avez un peu peur, ou de demander à vos parents de passer un bras en dessous de votre dos. N'oubliez pas d'exploser le compteur des pouces bleus, d'activer la petite cloche et de vous abonner. Bisous !